Bonjour, aujourd'hui on va faire une capsule sur comment renforcer nos poignets. Ça va aider pendant le tumbling à être plus stable et à éviter les blessures et en tant que base à être plus fort dans les stops. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Le premier exercice pour renforcer nos poignets, ça va être avec ce genre d'objet ici. On peut aussi utiliser une balle anti-stress. L'exercice, ça va être de le mettre dans sa main et de faire des compressions comme ça ici. Ça force vraiment tous les muscles autour du poignet. On peut en faire 30 à 50 répétitions. C'est pas le genre d'exercice qui est difficile à faire, c'est le genre d'exercice qui a le nombre de répétitions va être optimal. On peut les traîner vraiment partout avec nous, c'est ça qui est vraiment le fun. On peut en faire dans l'auto, à l'école, à la maison, vraiment là, on peut en faire partout et très souvent. Ça va vraiment aider à renforcer les muscles pour éviter les blessures. Le prochain exercice, ça va être avec un poids comme ça ici. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez prendre une canne, parce que c'est un poids quand même assez léger, c'est un 5 litres. Donc l'exercice, ça va être d'aller faire des répétitions avec notre poignet, comme ça ici. On veut uniquement bouger le poignet, comme ça. Ça l'aide à forcer avec le poignet, parce que c'est pas un mouvement qu'il est habitué de faire, il n'est pas habitué de forcer comme ça, donc ça va le préparer au stunt ou au tumbling. Le prochain exercice, ça va être au sol, parce qu'on va travailler les poignets avec le poids du corps. Donc on va vouloir aller se mettre en position planche et essayer de lever la paume du sol. C'est comme un petit peu un push-up, mais pour les poignets. Donc si je vous le montre, ça ressemble à ça ici. On peut commencer à faire sur les genoux pour travailler le mouvement pour bien le faire. Le prochain atelier, il va essayer de travailler les poignets où est-ce qu'ils font un bout. Le prochain exercice, c'est pour travailler les poignets lorsqu'ils reçoivent des chocs. Ils ne sont pas habitués à ça. Donc, lorsqu'on fait des rondades ou des clics, il faut les préparer à ça. Donc, l'exercice va être au sol. On va essayer de faire sur un sol avec un matelas pour pas se faire mal vu que c'est des chocs. Donc, l'exercice, on va aller placer nos mains comme ça et faire des sauts sur nos mains. C'est important de ne pas plier les coudes et ni les épaules. Ça va ressembler à ça ici. On peut en faire environ 15 répétitions, prendre un 30 secondes d'arrêt et recommencer. Comme ça ici. Merci d'avoir écouté la capsule. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sociaux à Sound Coyote.